Haïti c'est un pays journée aujourd'hui là qui bail plus migrants. Pour ne pas dire Haïti c'est premier pays, mais parmi 5 pays Haïti c'est une là dedans qui bail plus migrants. Eh bien, et en plus monde toujours envie quitter pays à soit pour problème insécurité ou bien l'autre. Eh bien, journée aujourd'hui là, nous voyons que président américain Joe Biden met un programme sous pied côté li pral permettre à ce que et un monde qui vit États-Unis capable appliqué pour yon zami, yon fami ou bien yon proche li ka viv nan pays d'Haïti. Bagay sa jounen jodian la ki te an paquet parler en pile sou internet la, en pile moun tout et pas vraiment comprendre comment programme nan yé. En pile moun a posé question et nous même aller plus loin pour nous gen moun ki profite de programme nan pour capable faire l'argent. Et bien jounen jodian la, nous gen yon intervenant ou bien yon invité sin capable dire comme ça qui pral faire yon tira les mains vini sous dossier ça. Ou même qui pa ta comprendre ou bien ou même qui pas vraiment bien ébu des programmes Biden n'a pas quitté aucun monde à faire cob sous ou et pas vraiment les moun a dit que et yon famille qui États-Unis qui pas choisi appliquer pour yon moun c'est parce que moun sa gen kè di, c'est parce que moun sa li même li gen kè l'en fait. Et bien n'a suivre et ti interview ça et puis après bon c'est nous même n'a pi bien comprendre comment et qui gens yon moun capable appliquer pour yon famille yon zami k'ap viv Haïti. Et bien avant de commencer quitte nous saluer et puis remercier ou même k'ap gade vidéo ça ou même qui était un fan inconditionnel ou même qui toujours partager like et commenter sans oublier ou même qui déjà abonné avec channel là. Un remerciement spécial sous abonné déjà. Si vous pouvez faire ça, n'a pas invité à abonner avec chaîne là et puis pas oublier activer cloche notification pour nous capable à grandir communauté. À pas oublier, c'est toujours un plaisir à chaque fois que moi me servite pour Paul Lukens derrière caméra ça pour nous venir présenter une nouveau vidéo. On prend coup de pause, n'a pas tourné après. Et bien, j'en ai annoncé, journée aujourd'hui, là, nous, c'est papi, les papakettes haïtiens a quitté pays, ya. Soit pour problème insécurité, soit pour grand goût, ou bien, yon problème, ou bien, yon lot. Et, journée aujourd'hui, là, et, un peu, moun souvent prétend que c'est Haïti qui baille plus migrants. Non. Et, peut-être Haïti qui a fait partie 5 pays qui baille plus migrants dans le Caraïbe, là. Mais, journée aujourd'hui, là, et, bagay sa rete yon gros question. Tout le monde a toujours demandé pour qui ça yon moun, et, ta choisi quitter pays, pour qui ça yon moun pas choisi investir dans pays, hein. Et, là, nous connaît comment insécurité à lui-même, la valait terrain. Eh bien, sous point ça, et, nous, ouais, que, président américain Joe Biden mette un programme sous pied là côté bagay ça a fait la une sous internet là en pile moun et participant a commenté en pile moun participant a intervenu sous sujet ça en pile moun tout et profiter des programmes ça pour faire capital politique malgré ça pas empêcher gen moun journée aujourd'hui là cap fait cob sous un autre monde. Eh bien bon me laisser garder et puis tendez avec attention invité ça cap expliquer nous comment et qui gens yon moun capable appliquer pour yon moun et avec attention et puis après nous-mêmes n'a pas tourné. Bon, les États-Unis dans le moment ça là traverser un état qui très est exposé aux yeux de tout le monde en matière d'immigration et d'immigration et nous chargé et monde qui sorti tout côté spécialement en Haïti et qui prend frontière et Texas passé par Mexique pour entrer aux États-Unis. Selon l'opportunité et temporaire migratoire ça et nous capable ou t'a même prévoir bannir ça nous relé droit inaliénable ça n'a pas l'état là qui c'est le droit d'asile qui donc je suppose que c'est une façon tout pour mesurer ou soit me dire limiter quantité immigrants et qui a entré aux États-Unis par voie terrestre. Parce que selon loi ça, c'est difficile, on va dire impossible, pour les gens entrer aux États-Unis par voie terrestre. Qui donc, les gens qui déjà fait des routes, des trajets, qui ont étudié et selon la politique américaine pour entrer aux États-Unis, ils veulent faire les gens diminuer, faire pratique ça. Loi ça qui pour ta faciliter un haïtien entrer aux États-Unis par voie aérienne suppose que il y a diminué moun k'ap entrer par voie terrestre puisque yo encouragé ou fait une famille aux États-Unis qui aux États-Unis li appliquer pour légalement parlant qui donc
plus que l'eau venir sur frontière là, vous dire OK pour où aller pour entrer aux États-Unis, il faut qu'on moun ou relé dans téléphone qui pour dire hey, voilà, mon carré c'est pas tel monde. Mon mettre voyer moi ça pour venir la caille moi, voilà. Et bien on a assumé que en pile monde peut-être ta doit bail menti. Et bien qu'on y a plus que vous faites tout parcours ça avant que pour venir dire là, il y a un monde qui attend nous qui peut-être pas vrai, qui peut-être pas vrai. Qu'on y a eu prend pause, il faut passer pour une voie légale qui c'est depuis aux États-Unis, depuis en Haïti pardon, yo moun sa appliqué pour le faire entrer aux États-Unis. Qui pa yon processus qui facile puisque moi-même m'ai vécu aux États-Unis, moi fait environ 4 heures de temps appli tout document sa yo qui parler sous gens moun doit entrer, sous gens ou même capable accueillir moun doit comme si gon certaine stabilité. Li son casque chinois. Puisque ou pas vraiment vrai à la hauteur pour ta entrer au monde, deux monde. Soti Haïti aux États-Unis si ou pas de une certaine stabilité et pas me dire en matière d'économie but logement et aussi faut qu'a prouver au noir sur blanc tandis que si vous n'êtes passé par Mexique ou bien j'ai yo venir et ou pas besoin tout bagage ça depuis mon entrée il t'a vaillé il t'a bat zèle donc on peut et puis gagne une série aide gouvernementaux qui déjà disponible pour monde qui entrer par voie terrestre là but qu'on y a sous appliquer pour monde soti en Haïti. Et c'est ou même qui sont ces sponsor moun nan. Le sponsor moun nan et conseil des aides yo bay moun qui entre indépendant yo pa bali laisse yo moun qui signé pour lui comme sponsor. Ça sont l'autre piège encore qui donc moun qui aux États-Unis pas pral facile pour lui prendre soin li et pendant une année pour pipiti puisque nous comprendre par exemple gen la manjay, gen la santé, gen logement et moun ki vini pa vwa asile lan, moun ki vini pa vwa et jan konnen yo l'état subventionné au non certain niveau mais laisse ou même qui appliquer pour yo moun directement et bien tout ça l'état te gen pour le faire pour moun sa yo plus côté si un document qui dit ou c'est sponsor moun nan et voilà ou obligé faire yo. Et moi aux États-Unis yo a travaillé dur pas même qu'à prendre soin tête yo quelque là-dedans yo pour job qui donc on pense majorité monde qui a de jeunes chances pour entrer par voie terrestre là pour aller entrer par voie légale là non son façon pour diminuer quantité monde qui rentre sur territoire yo et qui gagne un effet négatif tout sur réalité socio-intellectuelle en Haïti comme nous connaissons une grande population qui a moins que 3% et intellectuel là-dedans qui donc l'on prend moun sa yo qui pral quitter Haïti qui a quitté Haïti qui tap quitté Haïti yo c'est majoritairement moun qui gagne yon master m'pa di master même yon bachelier dans meyo bachelor dans meyo qui donc nous presque y a départ fini net nous fini quitter toute ressource intellectuelle yo aller sans que nous pa gon politique nationale qui peut renforcer capacité intellectuelle population faire comprendre le blanc n'est pas blanc le noir n'est pas noir et les noirs et les blancs se mélangent et se donnent un gris et c'est le gris qui existe voilà question est-ce qu'il pas préférable pour États-Unis ta légaliser monde qui déjà sous territoire au lieu qu'il a fait l'autre monde qui en dehors des territoires entrer dans territoire là en premier lieu moi c'est premier monde et me supposer me ta femelle qui tweet ou bien qui commenter de négativité décision ça comment moi connais des monde en Haïti qui gen visa yo expiré yo pas même ka jwenn yon rendez-vous pour yo bay yon l'autre visa et gen monde même yo decline yo refuser renouveler visa yo et gen l'autre monde comme connais depuis soit 2019 avant Covid qui te gen rendez-vous ambassade pour te al faire une demande visa et moun sa ou pa jam ka gen opportunité joigne un appointment joigne un rendez-vous gen une autre catégorie encore qui c'est moun qui soit tout document yo gantan soit approuvé pour yo joigne une résidence et mais yo pa jam ka gen un visa pour voyager sou gen trois catégories moun sa ou nan mon. Pour que ce soit pas spécialement ça qui est déjà visa, yo, peut-être une possibilité comme ça. Pour dire, hey, comme vous avez une demande visa dans la main depuis 2019, ou bien 2018-2020,
Et bien voilà, est-ce que vous voulez convertir visa ça en un visa de travail? Bien où il est là, un visa humanitaire ou bien une protection et temporaire. Moun nan te ka gen volonté ou ba moun nan non seulement option pour le visiter et tout le cas travail, li ka même tenter appliquer pour un cas travail. Li ta peut-être plus simple et puis humanitaire et transparent. So kounya pou ki sa wal ouvon lot et sa nou te ka ale yon game un tirage au sort pour faire tout moun la gen degi de l'anko famille pendant que gros ban moun ki gen tan gen dossier ou la moun nan bureau et ka fè pile. Je pense que c'est une politique et gaipay en tant que parti politique démocrate parce que t'as dû prendre une élection la prochaine année pour peut-être te ka troubler et soit parti opposant qui c'est et républicain donc on n'est pas trop deal avec immigrants et bien c'est mettre terrain en chaud dans mes républiques dans jusqu'à venir yo c'est une politique gaipay pour faire payer à charger immigrants vous connaissez de vous immigrants dans pays et surtout vous connaissez nèg qui sans état de droit monter la m'bab dinol et li passi à immigrants de loin qui donc si pays à charger immigrants toute famille immigrants ça va tomber taquiné famille yo qui déjà citoyen américain et bien de là pour élection en faveur démocrate mais son politique gaipay ça sont l'autre concept nous ta remet que nous même nous porter attention sur lui et il fait déjà l'élection antérieure côté quoi après c'est monde qui pas gain papier yo qui la manifestation dans la rue parce que yo connaît si républicain monté eh bien il pas douce pour yo connait même qui conforme qui pour gain papier aux États-Unis qui sont fait ou voter pour démocrate même si vous êtes républicain ou pas tenter voter pour démocrate pour famille ou pas en jeu